Bonjour à tous, bienvenue dans cette rapide vidéo sur mes cadeaux de Noël. Donc forcément, tous les autres cadeaux, je vous les avais montrés au fur et à mesure dans mes vidéos. Mais mes cadeaux à moi, ben, je ne pouvais pas forcément vous les montrer. Donc vous vous doutez, je suis en pyjama, il est quasiment minuit, mais j'ai pas eu d'autres moments pour faire ma vidéo. Et il va falloir que je commence à les ranger, donc voilà pourquoi je vous le fais maintenant. Alors, j'ai été assez surprise des cadeaux que m'a fait du coup mon mari. Je vous le montre dans l'ordre de comment ils sont. Donc, pour commencer, à Pandora, il m'a pris des petits charmes. Vous savez, j'en avais déjà pour le mariage. Au niveau des bijoux, voilà. J'avais pris ceci. Donc, vous aviez. Ah, ça va pas faire le point. Alors, vous aviez Mulan, ici. Bon, c'est compliqué à faire le point, évidemment. Bref, vous avez Mulan et vous avez Anna, la Reine des Neiges. Voilà. Et au milieu, un petit séparateur pour pouvoir mettre les différents pendentifs, les charmes, comme ils appellent. Donc, il m'en a pris deux autres. Sont trop trop beaux. Et il m'a pris également le petit séparateur. Donc en fait, là, hop, je vous montre. Bon, écoutez, ça fait pas le point. Bref, vous avez donc ici là-haut avec les ballons et ici, c'est le même principe que Anna, c'est le royaume. Je suis désolée, il veut pas faire le point, je suis avec le téléphone. J'essaierai de vous insérer peut-être une photo pour que vous voyez. Et en fait, donc, en fonction de la somme que vous preniez, il vous offrait un bracelet. Il m'a expliqué. Donc, il a pris le bracelet qui va avec. Ah, il me semble un peu petit. Bon, je rentre pile poil. Il me dit qu'il y avait une taille au-dessus. Donc, peut-être j'irai essayer la taille au-dessus. Et en fait, après, ben, vous accrochez également les charmes. Soit je complète sur mon pendentif, soit sur le bracelet. Sachant que bon, sur le pendentif, ça va commencer à être lourd. Donc peut-être plutôt sur le bracelet. En tout cas, très surprise et super contente parce que je sais que c'est pas donné. Ensuite, ah, il faudra que je teste Bola aujourd'hui. Vu que c'est la nuit, la luminosité forcément est artificielle, mais il m'a acheté ceci. Donc, l'anneau pour faire des vidéos et puis ne plus être embêté à la lumière. Je verrai bien si ça fonctionne. Et ensuite, c'est surtout pour mes loisirs. Il m'a pris, tac, les deux livres Harry Potter de coloriage. Il a vu qu'en fait, je les avais regardés à Cultura et que j'avais dit que voilà, ça me plairait d'avoir les quatre. Et donc, il les a trouvés et il me les a pris. Et pour finir, donc je sais pas si je vous l'avais déjà dit, je crois pas. Donc, j'aime beaucoup les puzzles également, Disney surtout. J'ai la collection Vilainous, je les ai pas tous, petit à petit je m'équipe et j'ai un autre projet qui était en fait de partir sur la collection des puzzles, vous savez où il y a la bande de films. Et en fait il y a 10 puzzles et vous les mettez 5 par 5, ça fait tout le contour du film cinématographique là. Et vous avez mais, tout un pan de mur de puzzles. Voilà. Donc il en a pris un qui complète cette collection, qui est la Belle et la Bête. Voilà. Donc c'est cette édition collector avec, comme je vous disais, le ruban du film du cinéma. Si vous voulez, ça fait, voilà, pour certains, ça va faire le tour, pour d'autres, ça va faire comme la queue le bas. Et au final, vous les coller tous et ça vous fait un grand pan de mur de puzzle.
Derrière, vous avez les 5. Alors, c'est par rapport aux années aussi. Donc, voilà. Donc voilà les 5. Vous voyez, ici par exemple, la bande, hop, elle fait le coin. Donc ça veut dire que c'est un qui sera au coin. Et peut-être en bas d'ailleurs. Ici, c'est vrai. Celui-là, je l'ai d'ailleurs. Celui-là, je l'ai fait. Et donc, bon, maintenant, j'ai celui-là. Et dans les 5 autres, j'ai plus. Mais je sais que j'en ai un autre. Donc bon, on en est loin du compte, 3 sur 10, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'était tout. Enfin, après non, de mes parents, bon, on a eu de l'argent, comme ça c'est plus simple, en fait on se prend ce qu'on a envie. De moi à moi, je vous l'avais déjà expliqué, je me suis pris les luminances, donc toute la trousse avec le coffret des 100 luminances. Et je me suis pris également, oui, des petits écouteurs. Après, oui, pour l'instant c'est tout. Je sais pas si mes frangins me feront quelque chose, mais bon, c'est pas important. L'essentiel c'est d'avoir profité de ce moment en famille. J'étais donc avec mon mari, mes filles et mes parents. On a passé un très bon Noël. J'espère que vous aussi vous avez pu prendre du plaisir pendant ces fêtes. Pensez toujours quand même à prendre soin de vous et à prendre du plaisir dans tout ce que vous faites. Je vous souhaite encore de très bonnes fêtes et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ah oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos cadeaux de Noël. Ça me ferait énormément plaisir de savoir également ce que vous avez pu avoir. Allez, merci, à bientôt.